Salut tout, on se trouve pour une nouvelle bataille de guerre et on est en trifaction. Ça me paraît de présenter un intérêt supérieur à une bataille standard. On va voir si on se débrouille bien. Ok, on est en défense. Je vais partir sur D de mon côté. Ça va être dur de tenir O1 et O2 de deux factions différentes. La logique voudrait qu'on se replie sur O2 ou sur O1 à un moment ou à un autre. Débordé par les adversaires, on va voir ce que ça donne. En tout cas, on va pas commencer par perdre du terrain. J'ai fait beaucoup de parties avec du brouillard, là il y en a plus, c'est un peu soulageant, même si ça veut dire que les snipers, bon, ils ont pas de d'éclaireur en face, donc ça devrait pas être trop gênant. Au contraire, ça va avantager nos snipers. Faudrait pas qu'on en ait trop, ou alors il faut qu'il reste bien dans les points. Parce qu'on est que 12, donc si jamais il y a 4 snipers, ça pèse plus lourd sur l'équipe. Il y a déjà du monde, j'ai vu une tête. C'est quelqu'un ça ou c'est un truc du mur? C'est quelqu'un. Ok, ouais. C'est bien ça, il y a du monde. What? Ah. Hop là. Ah! Je désactivais mon pavier tactile. Par contre, je viens de voir l'APC. C'est dommage, je rappelle l'APC comme ça. Alors du coup il y a un ennemi sur D, on l'a vu. Je me dis que je vais tenter des 3. Des 4 je veux dire. Je vais tenter des 3. On va voir ce que ça donne. Il y en a un autre qui passe. Il n'y a peut-être plus personne chez eux. On va perdre B4 aussi. Yes, il n'y a plus personne chez eux. Alors, pas. Ça. Je sais pas d'où ça vient. Ah, on l'a perdu avant. APC. Ça aurait été bien de mettre des mines. Alors il trace l'APC. Ah, c'était le risque, hein. Je regardais devant moi et pas derrière moi. Ça va être compliqué quand même, hein. Je la sens bien compliquée cette partie. Je me dis que je vais camper au 1 avec un sniper. Mais d'abord, on règle cette APC. Après, le motard. Hop, ça c'est fait. Un 1, même pas 30, super. Ah, il m'a fait trop peur, j'ai cru qu'il avait lâché une grenade. Mène des mines, c'est un bon plan. Ça, je valide. J'atterre. Je crois que l'autre il est au bout de là. Non, il est là. GG. Ah, saleté. Par derrière, je sais pas s'il a fait sauter les mines. Ils sont nombreux de ce côté-là. Je sais pas s'il y a un APC à eux. S'il y en avait un, ce serait même pas étonnant. Ah, je croyais qu'il était mort, lui. Comme il s'est accroupi. C'est plutôt rare, les joueurs qui, comme moi, s'accroupissent quand ils ont besoin de tirer. Et du coup, un peu perturbant. Le truc, c'est que eux, c'est vraiment super loin. Où est-ce qu'il est? C'est un allié. On a eu de la chance. O2 ça tombe. Ça tire pas très précisément ça.
préfère ça. Voiture, c'est vide. Il y a du monde sur le toit. Oh, il fait peur, mais il est tout mort. Hop, bonjour toi. Ah, je déteste les gens qui prennent des anti-aériens pour faire mitrailleuse. C'est pas du tout prévu pour. Et c'est un peu trop abusé. Mince, je l'ai loupé. Ah, mais il est mort. Ah, c'est ballot ça. Je vais peut-être reprendre des 4 moi. Alors, il y a un autre type. Ah, et ça me tire par derrière. Bon, l'anti-aérien, on dirait qu'il mitraille au hasard quand même. Alors, on risque de perdre le point et notre spawn de C. Malheureusement, c'est dur, dur, dur de lire contre 24 joueurs. Là, on a tout le monde sur nous. Je peux même pas le prendre, pourquoi? C'est terrible ça par contre. On a l'autre point, on a le contrôle. Je crois que c'est un bug de trifaction. Wow. C'était long. Tout ça pour finir par un tir à la tête. Alors, ouais, ce serait bien qu'on puisse reprendre le point, super. Y'a un type. Aïe! Au moins mon pote l'a cueilli comme il faut. Sinon on campe au 2, comme ça il y aura tout le monde. Non, 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 mec, tu pars pas vers B4. Sinon moi je te quitte. Je te crève pas de roue parce que je suis sympa, mais. La volonté y est. Sachant que les Russes sont plutôt loin. Heureusement que je vise bien. Moi je dis défendre l'église, c'est notre meilleure option là. Parce qu'ils vont tous les deux devoir arriver, ils ont tous les deux un spawn loin. Alors que si on attaque, on va être à nouveau séparés et je sens qu'un coup l'autre. On va se faire avoir. Alors, je sais pas où il est monté lui, mais. Je le vois pas. Ah, il est là. Oh, j'étais trop trop mauvais. S'attendait pas à ce que je revienne par ici. Je l'oublie moi aussi ce trou de temps en temps. Allez hop, on va se cacher un peu, il y a des gens qui me voient un peu trop. Dur de regarder partout quand on est tout seul dans le coin. What? Il y a vraiment un mec qui me tire dessus. Par contre, deuxième fois. Alors par contre, je sais pas exactement quelle est son arme, mais c'est un truc genre Gewehr. Il a tiré ses 10 balles. Il a dû avoir raté un sacré paquet. Salut toi, merci. Je pense qu'il a été très surpris de me voir quand même. Ah. Il y a encore du monde sur le toit, j'ai vu. De 2. On a pris B3, je sais pas si c'est une bonne nouvelle. B4, c'est-à-dire qu'on a des gens là-bas. On est plutôt bien, j'aime bien ce spot. Je suis demeuré. On va dire que c'était pour le tuer. Mais en pratique, j'ai glissé. Je pense que c'est les US qui vont gagner. Parce qu'on va avoir trop d'alliés sur B4.
C'est un russe ça, il a réussi à aller jusque là. Oh! Je sais pas pourquoi ça a pas touché, j'ai quand même bien visé. Ça sent la fin malheureusement. On était vraiment très peu sur le point. On a deux alliés qui rentrent. Ah! Ah lui il est hors du point, d'accord. On continue à tenter. Ah. On va prendre le dessus. Je vois personne par là. Et un mec là. Super, GG. Caché le type qui est là-bas. On lui monte là. Il est mort. Je crois qu'il y a un type derrière l'arbre. Ça. Je sais pas comment il est pas mort. Hein. Il y avait une grenade et moi j'ai mis beaucoup de dégâts. Hop. Ils ont eux, donc ils arrivent par là. Ou un APC d'ailleurs. Ça fait beaucoup de monde quand même. J'ai pas besoin de ça moi. Merci Otto. Ah mince, il y avait un autre que j'ai pas vu. On a un APC allié qui se déplace en territoire risqué. Ouais, c'est pour tenter au 1. Aïe. Au moins c'est des grenades ennemies qui m'ont tué. Pendant un instant j'ai eu un doute où ouais, l'APC il est pas spawnable, le joueur fait n'importe quoi. Je me suis acheté aujourd'hui un camo sur l'APC que j'ai, que j'utilise pas très fréquemment, et sur ma voiture. Comment on va le surprendre lui? Déjà lui c'est bon. Ah, il y en avait un troisième. Il y a beaucoup de monde côté A par contre. Un peu trop pour que ce soit normal. Alors j'espère que si c'est ça, lui il va super loin. À mon avis, il va faire un peu n'importe quoi. Il va à B, c'est ridicule. Ah là là là, il n'y a pas que des bons joueurs. Ah là là, il y en avait un qui m'avait pas vu du tout. Ah non, il va pas à B. Bon, alors je retire ce que j'ai dit, mec. Par contre, c'est pas forcément le meilleur truc à faire, mais. Alors, je sais pas si je dois détruire ces mines. C'est fait pour le principe. Bon, on va dire qu'il y a une voiture alliée qui va. Donc, c'est mieux. Mais c'est un russe qui a miné pour défendre les US, plus ou moins. Ou pour embêter les US, mais. Non, toi, tu vas pas aller là-bas. Contre 5. Ah oui, non, mais je suis pas un super héros quand même. Bon, c'était une chouette bataille quand même, mais. Ah, contre 5, je le prends mal. Alors. Ah, je me suis dépassé à la dernière minute par. Christ. Bon, il a un très bon score, un très bon ratio. Moi, pas mal non plus. Après, on a d'autres joueurs qui ont des très bons ratios et pas tellement de ratios catastrophiques à part lui. Bah ça c'est un bon ratio. Après il y en a qui sont morts quelques fois. Ah, oh là, un recon comme prévu. Et en face c'est les US qui ont dominé clairement.
Ah, et celui-là, il était pas très bon. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo en solo, en multi ou un moment drôle sur Hero Généraux.